Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And good afternoon again, Mr. Sao Sarun. Are you ready? Bonjour, Monsieur Sao Sarun. Êtes-vous prêt? Sao Sarun, yes, I am ready. Sao Sarun, oui, je President, le suis. Thank le président, you. Je vous remercie. And again, I'd like to hand the floor to the international prosecutor to report for the question to the witness. You may proceed. Pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. L'accusation, Sir, vous avez Mr. la parole. Sao Sarun, after Sao Sarun, the death of Ming, après le décès de and Ming, you took over his duties, et après were you ever lui criticized succédé, by the center, by Pol Pot, jamais or Nunchia, or any of the center, about how you did the job? Nunchia ou d'autres membres du centre sur la manière dont vous effectuez votre travail. I'd like to respond réponse to your question. After the death of Talang, I après was le décès appointed de Talang, to replace him. J'ai été nommé à sa place. I was instructed to manage the people well and to j'étais manage their living conditions de well so that they would not have any starvation or a shortage of food. De m'assurer qu'ils avaient des conditions de vie idoines, qu'ils ne manquaient pas de nourriture. Engage in the progress of the agricultural production. Il a donc fallu since faire avancer our country la production agricole, had peace, so that the people should not face any starvation or a lack of food at all. Il fallait nous assurer que okay, sir, thank you. You didn't answer my question. Let me ask you to try to listen to it, because I'm sure you want to finish tomorrow, and we want to finish with you, if possible. So please answer the question. So the question again is, did Pol Pot, Nunchia, ever criticize you for how you did your job after you took over from Liang? Sur la manière dont vous accomplissiez vos tâches après avoir succédé à Taling. Please repeat your question and please make your question short as I cannot recall a longer question. J'apprécierais des questions plus courtes. Sir, did Pol Pot ever criticize you? Monsieur le témoin, Pol Pot vous a-t-il jamais critiqué? No, I was not criticized. Non. However, I received advice and instructions. Toutefois, je and let me remind you that I was in that position for only 2 months. Je vous rappellerai que je n'ai occupé ce thank poste you, sir. But mois. The evidence shows clearly you were in that position for over a year, because you told us you were appointed when Chun was still alive. Pendant plus d'un an, so let me move on. I don't want to argue with you about that. Je vais passer sir, à autre chose pour did, éviter un débat sur ce point. Monsieur le témoin. Sorry, one moment, I've forgotten my question. Let me move on. Je m'excuse. Let me go to the 1975 when you were asked by Pol Pot to take over that position. Lorsque Pol Pot vous a demandé you testified previously that you told him you were not qualified. Vous you asked him not to appoint you. Que was there any reason you didn't want to take vous that position? Lui avez répondu que vous n'étiez pas qualifié. Est-ce que vous avez rejeté ce poste pour une quelconque raison? After the death of Talang, réponse après I, le décès de Talang, didn't want to take that position because je of my limited education. Prendre ses fonctions
And I didn't want to take car the j'avais un niveau responsibility of d'instruction working at limité. the sector Je ne and voulais pas that prendre la somebody else responsabilité de should travailler dans le take that secteur place. et j'estimais que quelqu'un Then d'autre I still était mieux refused placé pour to le get faire. that position until the J'ai donc time the refusé conference was le held poste that when jusqu'au a moment majority où opinion le congrès a été adopted organisé. A decision that I was À cette to be occasion, appointed and I la was majorité there a for 2 months. Adopté la décision de So the fact et j'ai occupé that ce poste Pol Pot asked you to take the position in 1977 after the death of Liang, and your position was confirmed in September 1978. Did you understand that to mean that the center, the party center, was happy with how you were doing your job up until that time, up until September? Une reconnaissance de la manière, de l'excellence avec laquelle vous vous acquittiez de vos fonctions jusqu'en septembre 78. Yes, I discussed the matter. Réponse. That I didn't want to be in that position oui, due to my limited pas knowledge and occuper ses fonctions capability. Car j'avais des compétences limitées. And only later on when I was appointed after the end of the Plus conference tard, après ma nomination, that à la fin was de la held in September, tenue en septembre, I was in that position for 2 months, j'avais occupé that ce poste is pendant deux from mois. October of that year. So October, November, de cette année-là. December, and then the country was liberated. En octobre, Sir, novembre, going décembre, back to that first date, meeting le pays a été in, with Je Pol revenir Pot à la première réunion avec Pol after Pot. The death of Liang, Après le décès de when you Liang, went there with Chun, vous, you said that when you vous vous y êtes rendu told avec Pol Chun, Pot he wasn't, you weren't qualified, lorsque vous avez dit à Pol Pot que vous n'étiez he pas said qualifié, you would be assisted by Ta San, que vous the commander of de Division 920. De Ta San, That's what you've testified to previously. Le commandant de la Division 920, c'est ce Did que vous Pol Pot explain how the commander of Division 920 would help you do the job est-ce in the sector? Que, on vous avait indiqué comment le commandant de la Division 920 vous assisterait au niveau du secteur dans vos tâches. Yes, that is correct. Réponse. Pol Pot oui, c'est exact. Instructed Division 920 Pol Pot to assist me due to my limited knowledge and en raison ability. De mes connaissances et compétences and as limitées. I said, I refused to take up Comme that position dit, until the conference adopted its decision. Jusqu'à ce que la décision Sir, soit how prise, did the military, la décision Division 920, la help you do your job? Le commandant de la Division 920 vous avait-il aidé à accomplir vos missions? It's to deal with education and the opening of the schools for all the cadres within the sector. Et à l'ouverture des écoles pour tous les the cadres military du secteur. Opened the schools? Can you my question is, sir, how did L'armée the military, Ta-San, commander of des écoles, Division 920, je help you do your job? Le commandant de la You're division saying he taught school? Vous a aidé à accomplir vos missions. Vous dites qu'il a créé des écoles, qu'il a ouvert des écoles. The education was to equip the stands to those people to lead the or those cadres to lead the people in working, that is to work in the rice fields and plantation, for example, and for them to have sufficient food. So the main focus was on the economics and welfare. Des étaient donc Was the military involved in that? Afin d'assurer le bien-être de la population. L'accusation. L'armée était-elle impliquée? But. Please,
I don't get your question. Please repeat it. Je n'ai pas entendu votre question. Pouvez-vous répéter l'accusation? Je vais passer à autre chose. What did Pol Pot tell you in Nguyen Chia? What did they tell you about the Vietnamese? En ce qui concerne les Vietnamiens. They said that the Vietnamese has the intention to invade and swallow Cambodian territory. That what was specifically stated by them. Did they talk about that in the meeting that you went to 3 or 4 months after the death of Liang? You said you went to a meeting, and at that meeting, Khieu Samphan was also present. Did they discuss the Vietnamese intention to invade at that meeting? Était-ce à cette réunion que la décision des Vietnamiens d'envahir le Cambodge avait été abordée? Yes. Réponse oui. They told me about that, and I myself witnessed the invasions along the border as well. Ils m'ont donné cette information, et moi-même j'ai pu être témoin. Did they also discuss with you at this meeting with Khieu Samphan, Nguyen Chia, Sun San, and Pol Pot? Discuté avec vous à cette réunion? Khmer Rouge incursions into Vietnam. Des incursions des Khmer Rouges au Vietnam. Attacks by the Khmer Rouge into Vietnam. Les attaques des Khmer Rouges. Au Vietnam, réunion à laquelle ont participé Nguyen Chia, Khieu Samphan, Sun San et Pol Pot. Yes, they did. Oui, ils m'ont donné cette information, dit le témoin. And that we had to prepare ourselves. Ils ont ajouté qu'on devait se préparer à contre-attaquer. Did they explain about Khmer Rouge forces committing atrocities inside Vietnam against civilians? Le Khmer Rouge avait-il commis des atrocités au Vietnam contre les civils? No, I did not understand about the nature of that event. I did not know about the troops incurring or making an invasion into Vietnam. Let me see if I can refresh your recollection if I read to you from a book authored by Khieu Samphan. That's E3/18. Bar 18, peut-être and que Khmer, the ERN is 00-10-38-849. In French, 00-595-446. In English, it's on page 73. En anglais, page and Khieu Samphan writes, this is how I learned of the Cambodian attacks on Tin Nguyen village in An Hien province at the end of April 1977. The Vietnamese responded to these attacks using A-37 strike aircraft left by the Americans after the war. These counterattacks were followed by even bloodier Cambodian incursions at the end of September. In Vietnamese villages, en fin septembre, in Tay Ninh and Ha Tien provinces. Les provinces de Ha Tien et de Tien Ninh. Of course, any act of barbarism sûr, from whatever side it comes is loathsome and must be strongly condemned. Être fortement condamné. And the events recounted are irrefutable. Ces événements sont there is no doubt that the Khmer Rouge made forays into Vietnamese villages along the border, committing appalling crimes against Vietnamese civilians. Commettant ainsi des atrocités contre so les here civils Khieu Samphan is talking about Khieu attacks in April, in September, in April and in September 1977. You were called to Phnom Penh, you said, after the death of Vous Liang in late 1977. Did they talk about these attacks? Do you remember anything about it? 1977. Vous avez-t-il parlé de cette attaque? Vous souvenez-vous de quoi que ce soit à ce sujet? Witness, please hold on. Un instant, Monsieur le témoin. Maître Cooper, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I object to this question. Je fais objection à cette question.
Mr. Kirsanpan is citing Nayan Chanda. Something from contemporaneous DK documents. Il ne cite pas les documents. Secondly, du Kampuchea démocratique de l'époque. Deuxièmement, la question sort du champ de l'ordonnance de clôture, thirdly, mais également la portée de ce procès. Troisièmement, et plus important encore, Atin et les autres provinces sont très loin de Mandalkiri et de Ratanakiri. Most likely a geographical ce limit témoin in his knowledge est peut-être limité dans sa connaissance géographique. Les provinces dont parle Chanda sont très éloignées du Mandalkiri et du Ratanakiri. Once again, this is a book by Q. Sampan. L'accusation, une fois encore, c'est un ouvrage rédigé par Q. Sampan. Interruption. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur international, une minute, je vais passer la parole à la défense de Q. Sampan. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. De mon confrère, to add to my colleague's objection, ce n'est pas parce que y a un ouvrage écrit par Q. Sampan qu'on doit enlever le contexte de la citation qui est faite, comme j'ai eu à le faire lors de l'audience de documents, je rappelais dans quelles conditions certains passages ou certains événements étaient rappelés. Et là encore, lorsque, a posteriori, M. Q. Sampan fait des citations ou parle d'événements dont il a eu des explications après, on ne saurait les présenter aux témoins comme des éléments contemporains au Kampuchea démocratique. This is a book by Q. Sampan, il s'agit ici d'un livre de Q. Sampan, the head of state of Democratic Kampuchea, c'était le président chef de l'État du Kampuchea démocratique. Il restait loyal au Khmer Rouge plusieurs années après. Il parle des événements survenus. He was, as this witness testified, le témoin in a meeting discussing the Vietnamese a dit qu'il était à une réunion and the situation. Où l'on débattait de la situation so avec les Vietnamiens. Relevant, and I understand why ce document est donc pertinent. Et je comprends pourquoi la défense fait objection, parce que Q. Sampan dit qu'il est irréfutable que les Khmer Rouge avaient commis des atrocités contre les civils, mais ceci a trait aux politiques élaborées à l'encontre des Vietnamiens qui se trouvaient à la frontière avec le Cambodge. Simplement, Mr. President, pour être complète, la question n'est pas de savoir ce qu'a dit M. Q. Sampan au moment où il a écrit son livre. La question est de savoir ce qu'il aurait dit à l'époque des faits et des clients. Le témoin, a bien indiqué qu'il n'a pas eu de connaissance sur les incursions supposées du Kampuchea au Vietnam à ce moment-là. Donc, le fait de dire que Sampan aurait écrit un livre X années après les faits ne correspond pas à la réalité entre 75 et 79 et présenter ces éléments comme des déclarations de Q. Sampan, chef d'État, ne correspond pas à la réalité. C'est Q. Sampan, X années après les faits, qui, après avoir fait des recherches dans des ouvrages, parle d'un certain nombre d'événements a posteriori et non pas au moment des faits. Et c'est dans la présentation que l'on fait aux témoins, erronée, et cela peut amener effectivement à mener le témoin en erreur que de lui présenter un écrit largement postérieur aux faits et de le présenter comme des déclarations qui sont contemporains aux faits. Donc c'est la raison de l'objection. La question n'est pas de savoir si Q. Sampan a écrit le livre ou pas, la question est de savoir à quel moment il a fait cette déclaration et en fonction des informations qu'il a reçues après.
Le président, je vais passer la parole au juge Lavergne pour rendre une ordonnance orale concernant l'objection de la défense. Judge Lavergne, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Judge Lavergne, vous avez la parole. Yes, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. La Chambre souhaiterait que the chamber would like the co-prosecutor reformuler rephrase his question insofar that Que s'en pense book was written years after the fall of DK. It's not possible to conclude from this book right now that Que s'en pense was aware of the DK incursions into Vietnam. De l'armée du Cambodge démocratique au Vietnam. Voilà. Donc, si vous so, if you could please rephrase that question, that might help be helpful. Sir, my question was, I read from this book where Que s'en pense talked about attacks into Vietnamese villages in April and September 1977. I'm simply asking if that refreshes your recollection. Do you recall any discussion of Khmer Rouge incursions into Vietnam in 1977? President, Mr. Le Président, witness, have you heard the Monsieur question témoin, put to you? Avez-vous entendu la question qui vous a été posée? Witness, no. Le témoin, non, Monsieur le Président. And I'd like to request that the question shall be short. Mr. Sao Sarun, please listen to the question carefully and international prosecutor, please repeat the last question. Attentivement la question. L'accusation, pouvez-vous so I'm going to ask you another question. Question. Did Pol Pot ever talk about hating Vietnamese? Pol Pot a-t-il jamais parlé de parler d'une haine envers les Vietnamiens? He didn't hate the Vietnamese people, but he réponse. Hated the invading Vietnamese or Vietnamese invaders into Cambodian mais, territory. Leur invasion du territoire sir, let me read from again this book by Tet Sambat and Gina Chong, E3/4202. And there's a quote in Khmer, it's on ERN 00858265 I hated Vietnamese youth from the time I was young, les jeunes Vietnamiens unquote, dès mon Pol Pot told Nguyen Chia. I did not like Pol them because the Vietnamese je were rude je and too clever, playing unfair tricks while playing football against me and other Cambodian children. Les autres enfants Do you recall, after hearing that Pol Pot ever discussed the fact that he thought Vietnamese were tricky and he hated them for that? Que les Vietnamiens étaient tricheurs et il les détestait pour cela. No, I did not hear that. Réponse. Non, je n'avais jamais entendu parler you joined, you told us you joined the Khmer Rouge in 1968. From 1968 through the early 1970s, did you work with communist Vietnamese troops inside Cambodia? Were they your allies? 70, avez-vous travaillé avec les troupes communistes vietnamiennes? Étaient-ils
Étaient-elles ces troupes vos alliés? Answer. I was. Réponse. At the district. Je travaillais au niveau du district. About the matter you raised. Et nous n'étions pas au courant de la situation que vous soulevez. Law and no forces. Ma question were you allied est la suivante. With Vietnamese communist vous êtes-vous forces allié aux forces communistes vietnamiennes au sein du Mondul Kiri pour lutter contre le régime de Lon Nol? Yes, we worked together. Oui, nous travaillons ensemble. With the Vietnamese troops to nous fight against avec les troupes the American troops. Pour lutter contre les troupes américaines. Did Nguyen Chi ever discuss with you his years in Vietnam? A-t-il jamais parlé avec vous des années qu'il avait passées au Vietnam? I do not know whether such a discussion did happen. Je ne sais pas si une telle discussion a eu lieu. Let me move on, sir, and ask you about the September 1978 meeting that you attended in Phnom Penh. De la réunion à laquelle vous avez assisté à Phnom Penh en septembre 1978. Je vous cite. Pol Pot asked you to read a confession. Dites-vous, Pol Pot vous a demandé de lire des aveux qui vous mettaient en cause, ainsi que Thon Nhu et Niang. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Did Pol Pot indicate question where this person was when they confessed? A-t-il dit où ces gens, où cette personne était quand elle est passée aux aveux? Answer. Réponse. We do not know where the confessions were from. We pas d'où venaient les aveux. Saw the confession in the nous books and those confessions were handed over to livre, us. Ces aveux nous ont été remis. Was the confession true? What it said début about you? De l'intervention illisible. Début de l'intervention inaudible. I do not know whether it réponse, was true or not. Je ne sais pas si c'était but vrai ou non. That confession implicated me mais as well. Ces aveux me Pol Pot handed cause over the confession d'autres. Or the book to me as well. Aussi remis my name livre, was implicated. Mon nom était the, cité. Those who confessed said whatever ceux qui étaient passés aux aveux wanted to say. Pouvaient dire ce qui leur plaisait. When you say you were implicated, question. Do you mean that you quand were named que vous étiez as mis part en cause, of a group or a string que vous étiez that was opposed to the party? Comme faisant partie d'un groupe ou d'une filière hostile au parti? Réponse. Answer. The confession included almost all the les cadres, portaient sur presque tous les cadres. We had to come to clarify nous avons dû nous présenter about the pour tirer les choses au clair accusation that we betrayed or we committed the treason against the nation. So the confession in the document was not true. Nous devions had anyone ever tried to recruit you réfuter ces accusations to a plot against the leadership a jamais-t-il tenté of the CPK? De vous recruter pour conspirer contre les dirigeants du PCK? No, réponse, I never heard that. Non. Did Pol Pot question, explain why he was showing this to you? A-t-il expliqué pourquoi il vous montrait cela? Réponse. Uh,
In fact, there was a confession, but nothing happened to me. Rien ne m'est arrivé. Is that because Pol Pot told you that question. Confessions were not reliable and he didn't believe them? Pol Pot vous aurait dit ne prêtez aucune foi à ses aveux parce qu'il vous aurait dit que ces derniers n'étaient pas fiables. Réponse. To my observation, Pol Pot did not believe in those confessions. Ne croyait pas en la teneur de those ses aveux. Who confessed overstated the fact. Ceux qui étaient passés aux aveux avaient exagéré. The confessions were unsubstantiated and ces unreliable when we read the confessions. So we were handed over those confessions and we were asked to read and examine. What was Nous in avons it. Demandé à pouvoir so prendre did Pol connaissance Pot de la teneur de ses aveux. That he Question. Knew that people Pol Pot a-t-il were being dit implicated, arrested, and killed who were not guilty because they'd been implicated in confessions? Dénoncé dans ses aveux, puis arrêté, exécuté, n'était en réalité pas coupable? I do Réponse, not know about this je n'en sais rien. And let me read to you from Je vais donner lecture what someone else said about d'un extrait d'une déclaration Pol Pot, d'un tiers what he said about confessions. Au sujet Again, this is from E3-4202, the book by Gina Chon and Tet Samba. French, the ERN is 00849450. In Khmer, 00858362. And in English, it's on page 119. Et en anglais, c'est la page 119. The book says that Mon Nim, a division commander under the control of Defense Minister Sun Sen and Pol Pot, said in an interview that when Khmer Rouge commander Heng Samrin fled to Vietnam, he was ordered to kill more than 670 soldiers from Heng Samrin's division. But he refused to obey the order by Kepok, Il a refusé who asked why ordres, they should be kept. Aux ordres de Kepok. Later, Pol Pot invited Ensuite, top cadre and military commanders to a meeting. A invité à une réunion les hauts he cadres. Asked that the people not be split between the old and the new, those et who were living in the cities réunion, and in the countryside, entre les anciens et les nouveaux, which surprised Mon Nim. Dans les villes et ceux qui habitaient la campagne, ceux qui surprirent Mon Nim. Pol Pot also accused Pol Pot leaders of betraying the movement, de trahir le mouvement and killing too et many people. Trop de gens. He blamed Sun Sen and Kepok for what happened in the crackdown on the eastern zone. Quote, Pol Pot déclara, Comrade Sun Sen and Kepok killed many people and buried them with a bulldozer. I know this information through my spies, Pol Pot said. You betrayed people and made people leave the country to join with Vietnam. You have to correct yourself from now on. Unquote. Pol Pot went on to say that some people accused of being part of the CIA or KGB were actually innocent and only confessed because they were tortured. Some confessed to being part of the CIA before they were born, he said. Did Pol Pot ever indicate to you that he knew that confessions were unreliable because people had been tortured in order to obtain them? Avait été torturé pour passer aux aveux. I was not told Réponse. About this issue. On ne m'a rien dit à ce sujet. Did Pol Pot ever acknowledge in your presence Question. That too many people had been killed by the Khmer Rouge? Début inaudible, intervention impossible à interpréter. I have never heard Réponse, je n'ai jamais rien entendu de tel. Sir, I just want to go Question real quickly très to SOT. Rapidement. You talked about Parlons de SOT. The labor, the importance in your job of organizing labor. Do you recall SOT, du who was in charge of organizing labor, était chargé and de la main for things de like building the dam? Notamment pour la construction du barrage. Why?
What is the name again? I could not get it. Réponse. Comment s'appelle cette personne? Je n'ai pas compris. Sot. L'accusation. Sot. Sot, younger brother of Sophia. Sot, le frère cadet de Sophia. C'est quoi? Réponse, I know this je le connais. Person. Sot, not Sok. C'est Sot et non pas Sok. Now we discussed 4 years ago when you testified l'accusation début inaudible, télégramme E3/156, 1er janvier. Les interprètes seraient reconnaissants que l'on demande au coprocureur d'attendre que son micro soit allumé. Merci. Avril 78. Do you remember, vous souvenez-vous, in that telegram you asked dans ce télégramme, vous demandez what to do with Sot, à Pol Pot que faire de Sot, mis en cause dans les aveux de Chun. Do you remember sending that telegram, vous souvenez-vous avoir adressé ce télégramme à Pol Pot? Réponse, je m'en souviens. I could recall that during Talang's control, Sot was à l'époque accused de Talang, of committing Sot a été accusé d'avoir acts commis des actes immoraux with a lady, and avec he was une also femme. Accused of, il a aussi treason été accusé de trahison. And later on, when I met plus tard, Sot, quand it j'ai was rencontré not true, Sot, so I sent a telegram j'ai vu que ce n'était pas vrai, j'ai donc envoyé un télégramme à Pol Pot. And Pol Pot was implicated, and I asked Pol Pot j'ai to demandé à Pol Pot give pardon to Sot. De he was pardonner accused of Sot having relationship with a lady. In fact, femme, Sot was already mais en married. Réalité, Sot était déjà marié. So I sought pardoned from j'ai Pol donc Pot sollicité le pardon sir, de a Pol witness Pot testified yesterday and this hier morning. Et ce matin, Bun Long Choi, un témoin, a dit venir du même village de Sot et l'avoir bien connu. Il dit qu'après que Sot a été accusé de cet acte immoral avec une femme, il a été arrêté et qu'ensuite on ne l'a plus jamais revu. Est-ce exact? Avez-vous reçu de Pol Pot l'ordre d'agir de telle ou telle façon avec Sot? Réponse. Answer. He was freed at the time. Il a été libéré à l'époque. He had been accused of having il affairs with a lady, and later on he d'avoir was eu set une free, relation but avec une femme. Did par not la suite, know il a été later libéré. On what mais was going on, but ce qui I remember that suite he was freed. Je me souviens toutefois qu'il a été relâché. La partie civile a demandé 20 minutes d'interrogatoire. Je ne sais pas si on peut accorder une prolongation. Enfin, je cède la parole à la partie civile. Civil parties have just informed me that I can take their time. La partie civile m'informe que je peux disposer d'une partie de son temps d'interrogatoire. Je vais encore continuer pendant 15 minutes. Dit l'accusation. Je vais vous interroger sur un télégramme qu'on a déjà évoqué, daté du 7 juin, ou plutôt le 7 juin 2012. Vous avez interrogé sur le document E3/248, un télégramme daté du 1er janvier 1978.
And at about 10:08, they asked him some questions. Et vers 10h08 minutes, vous êtes interrogé. From the telegram. The first paragraph of the telegram said, premier paragraphe, we would like to report 9 Yuan fleeing from their country. Signaler que according to their interrogations, they said the Yuan had assigned them to come to spy ils ont inside dit avoir Kampuchea été envoyés par les Yuan and live with the Kampuchean people dans le Kampuchea, in order to grasp the Kampuchean people. Now we have swept them away. À présent, nous les avons balayés. Mr. Witness, when you wrote in the telegram, you have swept Monsieur them témoin, away. Vous écrivez dans le témoin, that means that they were les killed, avoir correct? Balayés. Cela veut dire qu'ils ont été exécutés, n'est-ce pas? Attentate, anch'io mancellerebbe la parola. That is not correct. Réponse. Answered this question already. J'ai déjà répondu à cette question. I did not know what was implemented when Talang was in the region. Talang and I do not know about the arrest of Yuan. Je ne sais rien de l'arrestation de Sir, Yuan. It's your name on this telegram. L'accusation, it's c'est dated votre nom January 1st, 1978, daté du 1er janvier 1978, soit après la mort de Liang. Let me just ask you this question. The words, we have swept them away. Il est do you understand that to mean that the people were killed? Balayé. Est-ce que cela veut dire pour vous que ces gens ont été tués? Réponse. Je ne comprends pas. Answer. I do not really understand about the killings of Yuan. S'agissant de l'exécution de Yuan, I never made any report about the killings je of Yuan. Je n'ai jamais rapporté l'exécution de Yuan. Sir, let me ask you the question again. The je words we have swept them away. Les termes, nous do you understand les avons that to balayés. Mean that the people were pour killed? Vous, veulent-ils dire que les intéressés ont été tués? I do not understand that. This telegram was dated 1st of January 1978. Did you ever receive any reaction? It was addressed to Office 870. Did you receive any reaction from Office 870 to the telegram? Answer, I do not know about that. Mr. Witness, is it the case that you don't know anything about killings? Donc, vous ignorez tout. Are you telling the court that you don't know anything about killings? Vous affirmez ne rien savoir sur des exécutions qui ont eu lieu entre la mort de Liang et l'arrivée des Vietnamiens, n'est-ce pas? Le président, President, témoin, veuillez attendre. On, Mr. Witness, you have the floor. Maître Guisset, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Simplement sur thank une you, précision President. Par rapport à, like au document qu'a cité Monsieur le Co-procureur sur la version française, je vois Bang, M870, Bang. Et j'ai cru comprendre que M. le Co-procureur disait bureau 870. Si tel est le cas, peut-être préciser. Parce if que dans la version case, française, moi, je vois Bang M870. Clarify that because in the French version, I see the word dong. Actually, I don't have the telegram with me right now, but what I je n'ai pas was sous reading les yeux was from the transcript of the 7th of June 2012. Du 7 juin 2012. And I think I did say Office 870 in je my question. Avoir dit I asked the witness if he had any reaction from Office 870 si to this telegram, telegram, which was addressed to respected and beloved brothers of M870 aux bien-aimés and signed Sarun. Grand frère M877 et sir, signé did Office 870 Sarun. Ever respond Monsieur, to this telegram? Le bureau 870 a-t-il jamais répondu à ce télégramme? Até. Answer, never. Réponse, non. I never asked any
reaction from H70. Je n'ai jamais demandé la réaction de M870. Well, you reported regularly to H70. Vous faisiez régulièrement rapport all the important à M870, matters going on in the sector, n'est-ce pas? That was your job to tell them what was going on. Il vous appartenait de faire rapport sur tout ce qui se passait d'important dans votre secteur, n'est-ce pas? Answer. That is correct because A70 was my superior, so I had to make the report on je devais donc faire a daily basis and on a monthly basis. The report was submitted to A70. How often would A70 send you telegrams? À quelle fréquence le bureau 870 vous envoyait des télégrammes? I do not know how many times I received je ne sais pas combien de fois the j'ai reports reçu or telegrams from telegrams H70. Sometimes it happened once a month. Parfois, and j'en recevais a telegram would un be mois. Sent to me when the situation un telegram changed. M'était envoyé quand la situation avait changé. So on average, would question. You receive it once a week? Donc, how often would you receive en moyenne, telegrams on average? À quelle fréquence receviez-vous un télégramme? Une fois par semaine? Answer. Sometimes I receive a telegram parfois, once a month or une fois par mois, two times per month. Ou deux it depended on the situation. Cela dépendait de la situation. Sometime, I never received any telegrams in one particular month. Il m'arrivait de ne recevoir aucun télégramme durant tout un mois. Criticizing you question. For arresting n'avez-vous someone jamais reçu or criticizing the sector for de arresting or killing anyone? Vous critiquant pour avoir fait arrêter ou tuer quelqu'un ou critiquant le secteur pour l'avoir fait? Answer, never. Réponse. Non, jamais. Since I never committed any puisque crimes, namely arresting people to be killed, puisque and I was there for 2 months, des gens. No one criticized je suis me about that issue. I never, personally, never committed type. Such acts. Personnellement, je n'ai jamais commis ce type d'acte. Who were the people that helped question. You in the sector office, au the bureau staff? Du secteur, qui étaient les membres du personnel? Qui vous assistait. Answer. Réponse. No one, I believe. Personne, me semble-t-il. There were combatants, il y avait des combattants, ordinary combatants, ordinaires, assisting me. Qui m'assistait. And I worked. Without any assistant, no one helped je me pas in my work. Do you recall that Tin was replaced by question. Talloy Tin a été as chief par of Talloy the K-17 comme office? Chef du bureau de K-17. N'est-ce pas? You mean Tatin? Tatin? I am not quite sure. Je ne sais pas. So could you repeat your question? Pourriez-vous répéter la question? Do you remember Talloy question. Who replaced Tim? Vous vous souvenez-vous de Talloy ayant remplacé Tim? Réponse. Answer. I recognize, I know Talloy je connais and Tatin. Talloy et Tatin. Tatin was the Tatin chief of the office and Loy was member of K-17. Et Loy était membre de K-17. And this was his name question. Bin Loy? S'appelait-il Bin Loy? That is correct. C'est exact. What happened to him? Question. Que lui est-il arrivé? Answer. Réponse. I do not know what happened to him. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Did he continue to work for you until the Vietnamese arrived? Question. Début inaudible. Right. Réponse. Could you repeat your question? Pourriez-vous répéter la question? Did Talloy continue to work
in K-17 until the Vietnamese arrived? A-t-il continué à travailler à K-17 jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens? Début inaudible à nouveau. Il est resté là à travailler. Since the time of Da Lang and depuis l'époque de Da Lang, as I said, et comme je l'ai dit, chief of that office, and Loi was the member, so he remained working. Il est donc resté là à travailler. Let me remind you of something. Je vais vous see if I can refresh your recollection. Pour vous rafraîchir la mémoire. We have lists of prisoners at S21, E3/2251, E3/1651, et E3/1651. And they show that Tin Loi, on y voit que who was chief Tin Loi, of the office of Sector 105, entered S21 on the 20th of October, 1978. So, sir, he couldn't have continued to work il for you donc pas pu until the Vietnamese arrived. Avec vous, can you tell us why you haven't told us that pourquoi Vin Loi disappeared? Ne nous avez-vous pas dit que Tin et Loi ont disparu à l'époque? Answer. Réponse. At the time, Tassan, who was part of the division, faisait partie de la division, may have et à l'époque, arrested. Il se peut I was qu'il les ait arrêtés. District, moi, j'étais au district. And I do not know whether Tassan et je ne sais pas si sent Tassan him to another location. Les I do not know about that. Je n'en sais rien. Sir, there are records question. Of many people from Sector 105 Commerce Office, from Division 920, and other parts of Sector 105. Commerce, being sent to S21 in 1978. How did they get sent there? What was the procedure to have these people transferred to Phnom Penh? Transférer là-bas, à Phnom Penh. Answer, I do not know about the implementation of measure applied by the division. Quelle mesure était appliquée par la division? I do not know about that. Do you know how people were transported? Question. Savez-vous comment les gens étaient transportés là-bas? Réponse. Answer. All I know is that people were transported on a vehicle or vehicles and were sent toward Karachi. And after that, they may have been on boats. I do not know, après, as I said, at the time I was at the district. Let me go back quickly to when you first were asked by Pol Pot to take over for Ling. Au moment où you testified Pol Pot vous a demandé 4 years de ago that you would only go to the office about 2 times a week. Que vous alliez seulement 2 fois par was semaine that because the office was being used to hold prisoners? Prisonniers? Réponse. Answer. I was not yet in charge of that office. Je n'étais pas I encore went to assist de ce work bureau. There. Je suis allé once a week or sometimes I spent one or two days there parfois to j'ai passé un assist jour, deux the work. Jours, I do not know why the prisoners were kept at that location. Da Lang was the one who was in charge si of arrest and tidying up des the prisoners. And responsable d'attacher les prisoners, some of them were certains released. Des prisonniers ont été relâchés. I noticed that there were not many prisoners, j'ai vu qu'ils three étaient or four nombreux, of them. Trois ou quatre. That was my observation. I am not telling lies. Je ne mens pas. Sir, two of those who were question. Held in that office testified. Deux personnes qui ont été détenues and they said dans there ce were bureau about 80 people, ont été entendues including et children. Ont dit qu'il y avait là environ you see children personnes, dont des among enfants. Those being detained? Parmi les détenus, avez-vous vu des enfants?
Answer, no, I did not see any children. Non, je n'ai vu aucun enfant. After my replacement, après avoir été remplacé, I did not see any children, but je n'ai pas vu d'enfant. Three or four males prisoners. Mais plutôt sir, was the K-17 office being used to detain people because the prison detention center, Phnom Krall, K-11, was full? Parce que le centre de sécurité de Phnom Krall était plein. Answer, I do not know about that. Réponse, je n'en sais rien. While I was working, I never saw people detained at K-17. Dans le cadre de mon travail, je n'avais jamais vu des personnes détenues à K-17. As I said, there were only three or four prisoners detained at that office, not more than that. Dans ce bureau. Let me summarize what you've told us this afternoon. L'accusation. You were asked personally by Pol Pot to c'est take over after the death of Liang. You loyally fulfilled the policies que, of Pol Pot and the CPK, vous avez suivi and that you never received any criticism from them for how you did that job. Et is that correct? Vous n'avez jamais été critiqué quant à la manière dont vous aviez effectué votre travail. Est-ce exact? Answer, that is correct. C'est exact. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. De l'accusation. President, it is now time for the adjournment. Le moment opportun pour and the chamber will resume its hearing tomorrow on Wednesday, 30th March 2016 at 9 a.m. 30 mars 2016, tomorrow, the chamber will continue hearing demain, la chambre witness Sao Sarun continuera d'entendre le témoin Sao via Sao video link and then start to hear through TCW 1016 in relation to Phnom Krall Security Center. Please be informed and please be on time. Thank you, Mr. Sao Sarun. The hearing of your testimony as a witness has not come to an end yet. You are therefore invited to provide your testimony via video link tomorrow once again at 9 a.m. I'm grateful to you, Mr. Mulsawan, the duty counsel. You may be accused. You are also invited to assist Mr. Sao Sarun via video link as well at that location tomorrow at 9 a.m. Thank you, Mr. Nyam Somnang, staff of TPO, said the President. Thank you for assisting the witness while he is testifying via video link. You may also be accused. See you all again tomorrow at 9 a.m. Security personnel are instructed to bring the two accused, Gilson Paul and Nguyen Chia, back to the ECCC's detention facility and have them returned into the courtroom tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned. Au prétoire demain à 9 h. L'audience est levée.